Bonjour délicieux, délicieuse co-créateurs, co-créatrices. J'en suis à ma première journée de saison 3, saison 1 pour la magie au quotidien, saison précédée par un défi extraordinaire, par le défi pour une travail d'intuition. Ce matin, je suis un peu boosté par le fait que ce soit un week-end travaillé. Je tenais quand même à démarrer cette saison. Cet inconfort me permet en fait de trier un peu mes intentions, voilà, mes intentions. Là, je détermine deux grands pôles d'intention. L'intention vers l'ouverture, l'extérieur, au niveau du cœur, au niveau de ce que je peux offrir et pour recevoir. Et des intentions plus vers ce qui est un peu obscur, les catacombes, le retour aux sources. Et le chemin, si on peut parler d'une troisième intention, c'est travailler le chemin qui va de l'un à l'autre, de l'interne à l'externe, comme dans ma pratique. Là, on demandait sur le cahier de booster un peu, de faire des choses inhabituelles, ce qui sortait de l'ordinaire. Ça m'a un peu boosté. Et puis, les cartes de Sonia Choquette m'ont un peu remis les pendules à l'heure, en me reparlant de mon ego, en me disant tranquille, c'était là à 16. Il n'y a pas d'urgence. Reviens un peu sur tes bases, sur ton esprit. Connecte-toi avec ton esprit, voilà le terme exact. Et la seule manière pour moi de me connecter comme ça, de manière un peu sereine, directe, par l'esprit, c'est de revenir au temps de Tien, au Hara, à la construction, voir le souffle, et après laisser aller les choses. Laisser venir les choses, laisser le mouvement. Mais ne pas partir déjà de l'extérieur. Voilà, donc c'est plutôt partir de l'intérieur pour revenir sur les intentions. Donc tourner vers l'extérieur. Et ne pas partir sur une image que j'ai de ce que peut être l'extraordinaire, de ce que peut être le paraître, et laisser paraître arriver par lui-même. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.